Chers amis des rendez-vous, bonjour. Une conférence CEP, des séances de cinéma avec l'étoile, une rencontre littéraire et à nouveau du cinéma, mais pour les jeunes et les enfants. Voilà le programme culturel qui a été proposé pour le mois de mars. C'est Bruno Duval qui a ouvert le bal le lundi 4 mars avec sa conférence dans les coulisses des multinationales. Docteur S sciences physiques, Bruno Duval, après avoir dirigé un organisme de formation et exercé une activité d'ingénieur conseil, a rejoint une multinationale comme chargé de mission. Monsieur Duval, j'ai eu le plaisir de lire votre premier ouvrage. J'ai été étonné par le nombre de personnes ayant un nom à particules et doublement composé. Est-ce que, dans votre expérience, c'est ce que vous avez constaté, que vous avez retraduit dans le livre ? Tout à fait. Quand je suis rentré dans une multinationale et que j'ai eu l'occasion de rencontrer un certain nombre de PDG, la plupart sont majoritairement d'ascendance noble. C'est donc avec un éclairage d'espère qu'il a expliqué à un auditoire attentif comment les multinationales nous influencent et à quel point leurs richesses et pouvoirs peuvent rivaliser avec les États. Il est l'auteur de deux ouvrages sur une société fictive Urbendi qui illustre sa rationalité et ses pratiques peu honorables. Du 7 au 9 mars, la session d'Estoile a offert au public 5 films tout aussi prestigieux les uns que les autres. Autour de la musique, tel était le titre de cette session qui a attiré un public nombreux, séduit par cette approche. Trompette de Miles Davis en personne, batterie dans le film Whiplash, saxo et deux films savourés par le public, Diva, dont l'éclat n'a pas faibli, et The Blues Brothers, dont l'entrain, l'humour, sont restés intacts. La rencontre littéraire du mardi 19 mars était dédiée aux trois sœurs Brontë. Pour certains, ce fut une découverte. Pour d'autres, le plaisir de retrouver l'œuvre ou les œuvres des sœurs Brontë. Les membres de la commission ont fait entendre les voix de Charlotte, d'Émilie et d'Anne, tout en racontant l'éclosion de leur génie créateur dans un environnement singulier. De leur brève vie, Émilie mourut à 30 ans et Anne à 29, il nous reste leur roman, Jeanne Eyre, Léo de Hurlevent et Agnès Grey. Et ce mois préculturel se termina avec une séance de ciné Estève Junior et un film jeune et innocent d'Alfred Hitchcock. Un des premiers films du maître du suspense, en noir et blanc, mais tous les ingrédients sont là. La course en voiture, le vieux moulin, les indices semés par le réalisateur pour la plus grande joie des spectateurs. Jeune et innocent. Soit, mais encore faut-il le prouver. Surtout lorsque tout vous accuse. Place maintenant à avril, un mois où soufflera le printemps. Comme toujours, la culture populaire sera le fer de lance des rendez-vous. Et en attendant, culturez-vous bien.